J'avais l'habitude de vous montrer le bas côté de cet échangeur, ce deuxième échangeur de la voie express du 4e pont d'Abidjan, côté Yopougon, mais pas sur la route de Palais, parce que la route de Palais c'est l'autre côté. Ici, c'est le rond-point et cette voie là mène à Yopougon-Koet. Donc c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo là. En même temps, je vais vous montrer le côté supérieur et le côté inférieur, c'est-à-dire là où je suis arrêté sur l'échangeur là, parce que ça a été déjà bitumé et je ne vous ai jamais montré, hein. C'est quelque chose d'inédit. C'est aujourd'hui que je vais faire la vidéo sur la partie supérieure et après je vais descendre, je vais vous faire des prises de vue sur la partie inférieure, vous allez le voir. Voilà, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'est une première fois cette vidéo là, je vais vous montrer les deux côtés. Vous allez voir ce qui s'est passé ici. Les ouvriers se sont mis à la tâche, il faut le dire, hein. Ils ont été impeccables. Ils ont travaillé avec beaucoup de rigueur et beaucoup d'abnégation. Vous allez le voir tout de suite à travers les autres images. Mais avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne. Hein. Beaucoup de personnes regardent la chaîne sans s'abonner, c'est pas normal. Abonnez-vous, likez aussi. Lorsque vous cliquez dessus, cliquez sur le bouton like aussi. Voilà, YouTube va proposer la vidéo à d'autres personnes. Ça va permettre aux gens, beaucoup de personnes, de voir la vidéo. C'est ça l'objectif. Voilà, donc nous allons partir, je vais vous montrer. Et abonnez-vous, likez, puis partagez la vidéo. N'oubliez pas de partager, c'est très important. I am Mr. P. Peace out. Vous voyez la partie supérieure. Vous voyez, non? Je viens de vous faire une vidéo là-dessus. C'est cette partie-là. Voilà, vous voyez, c'est le changeur qui est là. Il y en a deux ici. Ça, c'est la première. Et vous voyez, le marquage au sol, tout ça, ça a été déjà fait. Lorsque vous prenez cette voie, vous arrivez à l'autre échangeur de la voie de Yopougon Palais. Donc, vous voyez ici, je suis sur la partie supérieure. La partie supérieure, voilà. Donc cette belle architecture, on doit la promouvoir, hein? Partager cette vidéo. Voici la route, cette voie là va à... je vais contourner, mais je dois vous montrer ici la voie de Yopougon Koet là. Je pense que cette voie passe à Yopougon Koet, bien évidemment. Voilà. Vous voyez, nous sommes sur la partie supérieure comme ça. Donnez vos opinions, hein. Commentez la vidéo. Maintenant, si vous empruntez, si vous partez directement, ça a été barré. Vous voyez, voie barrée. Ça a été barré. Les véhicules qui passent par ici, là, qui montent par ici, vous voyez, non, qui quitte de l'autre côté et qui passe par ici, vont directement aller passer sur le quatrième, pont là-bas où il y a le poste à péage. Ça va passer par là-bas. Vous voyez la beauté de tout ce travail. Voilà. Et le marquage au sol et les travaux de finition. C'est très beau, les gars. Vous voyez, c'est très beau. Mais la voie a été barrée. Nous allons arriver et ensuite je vais me retourner. Je vais vous montrer le deuxième côté. Là, je vais progresser directement. Voilà, parce que cette voie a été barrée. Vous voyez. C'est très beau à voir.
Voilà, les gars, vous voyez, tous les véhicules qui passent par ici là vont aller sortir sur le quatrième pont. Regardez bien. Attends, je vais me positionner, vous allez voir. Vous voyez, non? Les véhicules qui quittent de l'autre côté là. À Yopougon, Koweït, Yopougon Palais, Maroc, tout ça là. Et ils viennent passer par ici là. Et ils vont passer directement sur le quatrième pont. Vous voyez les tours du plateau qui sont de l'autre côté là-bas. Ils s'en vont passer sur le quatrième pont. Mais bizarrement, cette voie là vient d'être nouvellement bijumée. Alors, il n'y a pas de véhicule pour le moment. Vous voyez que c'est barré, non? C'est barré parce que l'autre côté là, ça n'a pas encore été fait. Même laquelle les véhicules ne peuvent pas passer par ici. Les véhicules ne peuvent en aucun cas passer par ici. Ce sont des motos et puis les véhicules de ceux, les ouvriers là, qui travaillent, c'est eux qui vont travailler, c'est eux qui vont passer par ici. C'est eux qui passent toujours par ici. Sinon, c'est une voie barrée. Les véhicules ordinaires ne passent pas par là. Donc, les véhicules que vous allez voir passer sur le 4e poste, sur le poste à péage là, viennent de Yopougon, Palais, Yopougon, Koweït. Voilà, vous voyez, non? Exactement, de l'autre côté. Et ici aussi, ils vont aller, ils vont descendre de l'autre côté. Je vais vous montrer comment ils vont descendre. Voilà. Donc maintenant, je me retourne pour aller passer de l'autre côté pour vous montrer la voie d'autres. Ayam, Mr. B. Vous voyez, non, les gars? Ici, il y a les ZEP. Voilà, le P avance, hein. C'est très impressionnant. Vous voyez cette partie. Ici, c'est le rond-point où les voitures contournent. Il n'est pas encore fini de vous montrer la partie supérieure. Je vais vous montrer le deuxième côté ici. Et après, maintenant, je vais descendre. Je vais vous montrer la partie inférieure. Ok, voilà, donc ne décrochez pas, ne déconnectez pas, restez branchés. Nous allons le faire ensemble, nous allons le parcourir ensemble. Abonnez-vous, tout le monde, tous ceux qui vont regarder la vidéo, abonnez-vous, abonnez-vous maximum. Bon les gars, voici ça. Je vous montre ici d'abord. Voilà, vous voyez, nous sommes bien sur la partie supérieure. Nous sommes bien sur la partie supérieure. De l'autre côté ici, voilà, maintenant les voitures qui vont quitter sur le 4e pont vont descendre par ici. Ils ne vont jamais passer par là, pour l'instant. Vous allez voir, ils vont descendre de ce côté-là. Vous voyez, non? Les voitures qui viennent par le 4e pont là. Les voitures qui vont par le 4e pont. Vont passer par ici. Je vous disais que je vais vous montrer la voie de Dabou. Pardon, la voie de Ndotre. Aliam, Mr. B. Voilà. C'est la voie de Ndotre comme ça. Sur la voie de Ndotre, et l'autre voie est carrément barré. Voilà, nous allons maintenant descendre.
Voilà. Je pense que vous avez vu un peu la partie supérieure, disons. La partie supérieure. C'est tellement beau à voir que j'ai même pas envie de descendre encore. Je vais rester ici. Mais je suis obligé de descendre parce que je dois faire une partie aussi, une séquence de la partie inférieure que vous allez apprécier certainement. Voilà. Et si c'est le cas, dites-moi en commentaire. Écrivez que j'ai apprécié la vidéo en commentaire. C'est très important. Certaines personnes regardent la vidéo, c'est comme si elles n'avaient pas regardé. Ne like pas, ne s'abonne pas, ne partage pas, elle ne laisse aucun commentaire, c'est pas intéressant. Faites-le rapidement. Voilà, donc je vais maintenant aller sur la partie inférieure. La partie inférieure. Merci de visionner cette première partie. Je suis en train de descendre vers la partie inférieure. Vous allez le voir tout de suite, hein. La partie inférieure, c'est-à-dire le bas de la voie, de là où je vous avais montré sur l'échangeur. Là, je suis en train de descendre. Je vais aller, quand je vais arriver, je vais faire une... Je vais vous montrer aussi cette partie-là parce que c'est le haut et le bas. Parce que quand je faisais des vidéos, les ouvriers étaient en train de travailler sur le haut. Donc, je ne pouvais pas monter pour vous faire une vidéo, pour vous montrer, pour vous présenter la partie supérieure. Comme aujourd'hui, ils ont terminé, voilà pourquoi je vais faire... une vidéo là-dessus pour vous montrer tout ça. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Il y a un nouveau caniveau ici. Par là que je viens. Ici, c'est la partie inférieure. Pareil. Eh bien les gars, voici à quoi ressemble, vous allez le voir, voici à quoi ressemble la partie inférieure. De la voie express Yokogon. Donc nous allons commencer le vlog. Vous voyez, c'est extraordinaire.
certaines personnes qui ont la tendance d'afficher, de mettre des affiches sur les murs. Hein. C'est pas intéressant. Hein. Ceux qui collent les affiches sur les poteaux, les nouvelles infrastructures pour pouvoir les salir, là, on va prendre des sanctions contre eux. Ils vont comprendre. Voilà. C'est la partie supérieure, la partie inférieure, le bas côté, nous allons contourner. Très important. Ici là c'est le quatrième pont, vous voyez non? Le quatrième pont d'Abidjan. Le quatrième pont, comme je vous le dis, je vous le répète, a une envergure incommensurable là. Regarde. Veuillez liker cette vidéo. Je vous ai déjà présenté cette voie. Hein. Nous allons faire le tour et après on va faire la conclusion. Nous allons faire le tour et après on va faire la conclusion. Comme je viens de le dire. Eh bien les gars, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez aimé, si c'est le cas, allez liker, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, et à moi de vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Après cette vidéo, je vais faire une vidéo sur la circulation sur les voies du 4e pont d'Abidjan. Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace out.